Jacques, dans l'église, on dit bien, première église, Baptiste, rue de la Réunion, qui est les Silaires, Lafaye, et puis avec madame Ni, il y a blessé l'autre fidèle, l'église, dans qui blessé, dans quatre attaques, ça tout, bah, dit, il y a un patrouille blanc, plaque, service à l'État, d'après pasteur Ali Loubert, qui c'est, et pasteur assistant dans l'église, ça, qui lui-même blessé, dans tête lit. En écoutez, pasteur Ali Loubert, pour plus de détails. Nous créons un gros désordre d'église, là. Créons un gros désordre, on a couru, on a frappé pasteur, on peut pas tomber. Bon, ça a passé dans 7h moins environ parce que c'était le moment côté, il a fait prière pastorale. Et puis tir a commencé et il a kidnappé le monde, il a un officier nous prend plusieurs balles, il a l'hôpital avec lui, il mourit. Oui, bandit, il était sous machine service de l'État, on Nissan Patrol blanc, qui contournait l'espace là, qui fait la réunion, qui descend bord. Quand ça m'a pris la rue. Sam Abdullah est dit précis, oui, par les nationales là, machine non sortie devant l'église là, yo qui t'a fait une verbe là, yo descend, yo passe tout pour bénitentiaire, yo fait rue de l'enterrement, yo allez. Non, parce que l'église allait sous deux rues, il sous rue de la rue, sous rue de l'enterrement, le moment même quitter l'église là, mal pour refuser jouer dans rue de l'enterrement. Et deux, rue de l'enterrement, moi machine en face. Il bloque la machine non? Non, on va changer, mais moi c'est service de l'État. Qui j'aime nous comprendre et attaque ça? Bon, c'est dans le cas de sécurité, grande sécurité qui gagne dans le pays, côté autorité ou pas responsabilité. Vous avez la belle agi. Vous voyez? Si vous avez la fait autorité pas dire, autorité pas faire, vous avez la belle agi. Vous voyez? Donc nous avons beaucoup de zones dans le pays, nous avons le président Mouvin Lakaili, nous avons kidnappé les policiers, nous avons toute couche dans la société à victime. Et l'église Baptiste, ce n'est pas pour mais l'église a fait attaque la non. Et nous songeons de gagner mon église adventiste, côté serviteur, t'as adoré. Et puis, on entreprend mon bureau. Donc, nous ça arriver en pile fois dans le pays. C'est parce qu'on gagne des autres. Et nous pensons que, il faut qu'on m'a dit. Et si mon que vous responsabilité dans le pays, pas vous dire un mot, bon Dieu a dit un mot lui-même. Ok, donc là, nous avons son patrimoine national qui gagne plus que 183 ans. Donc, on sur 184. Il y a tombé dans l'escalier, une petite barrière que nous avons là. Et puis, le monde passe sous moi. Nous avons eu 6 heures, mais où on est? Nous avons eu couru, nous n'avons pas fini dans la deuxième pile. Nous n'avons pas fini dans la deuxième pile là, mais il y a responsabilité là. Si on vient et on fait qu'il, on fait qu'il. Et voilà, ça c'est déclaration pasteur Ali Loubert, lui-même qui était présent dans le service à un moment. Et c'est dans lui-même qui a déroulé où elle lui expliquait exactement ça lui-même, lui était voyant. Et j'en dis là, c'est pas premier l'église qui oui, est censée attaquer, c'est pas premier secte religieux qui est attaqué. Et l'église adventiste attaqué, protestant attaqué, kidnappé, et secte catholique, ça veut dire, parce que toute maçon l'os de kidnappé, c'est parce que toute secte religieux qui je dis à l'attaquer, c'est toute couche nette qui censée passer en bas ou le compresseur ça j'aime nous disons et là il m'a dit avec autorité conseil pour capable dire mot définitivement pour résoudre un problème question et kidnapping non. D'après information que nous apprenons que bandio qui était gens de dire sur un patrouille blanc qui exigeait 2 millions de dollars pour capable libérer madame et Jacqueline qui s'est signé la faille et au fait qu'on ainsi que mais il pas bail comme ça et madame signé la faille lui risque prend même chemin avec Marie-Li, qui connaît qui y perdit la ville ailleurs. J'en dis à la bandit kidnappé pour pipiti 10 moun sorti jeudi pour arriver ailleurs dimanche. Non, et kidnappé pendant week-end ça, pas chômé dit tout parmi une nan moun kidnappé pendant jour ça yo. Et ont employé SNGRS qui c'est Bibiana Belizer, ont employé ministère finance Mackenzie Mogène, pas oublier tout qui est plaisir l'autre monde qui était déjà dans mes bandits parmi eux journaliste Franzi Simeon mais apprendre que hier soir et semblé journaliste Franzi Simeon lui-même ta jeune libération et apprendre tout semblé artiste Monidji semblé ta jeune libération tout mais n'a cherché information en détail pour ne capable apporter banop avant journal là lui-même li fini pour matin toujours réaction sur dossier et sécurité qui est responsable avocat international qui exprime tête chargée au gain devant vitesse zak kidnapping dans pays maintenant yo Joseph quoi pas gain solution avec les sécurité à six problèmes politiques là pas résoudre avocat fait connaître tout phénomène banditisme là fait partie au choix politique mafia qui mélange avec la complicité internationale là en côté déclaration dans micro manes samedi pendant nous y a là c'est et personne d'arab bay tête au pouvoir sans que c'est pour bagaille qui l'âge et bagay ti koulout k'ap fèt yo la sans yo pa tenir compte de arrière pays a ou l'aime di arrière pays a
m'a parlé département yo, commune yo, section communale yo qui doit à part entière parce que pas gen moun qui soutient l'élection quoi que ce soit, yo doit jouer une sorte, yo mécanisme pour que yo faire jouer et tout élément en dans société. Mais moi j'ai une tendance, on sait de petits groupes intellectuels. Ouais, et avocat, professeur, ingénieur, c'est yo qui porte au prince. Bon, moi-même, c'est certes, moi c'est mon la Tibonite, non pas la Tibonite, mais porte au prince. Donc, mais écoutez, et pays en dehors, qu'il y a plein d'autres monde, yo tout yo c'est mon dans pays, c'est pour yo, n'a fait ça n'a fait yo. Donc personne pas voulu allonger mes ba yo. Parce que ouais même gagnant et la Jicoli ouais la prend territoire en province, il y a des côtés là au courir d'ailleurs c'est là aller dans niveau nous il faut nous résoudre problème politique, faut nous résoudre problème politique là, si problème politique là pas résoudre pas moi qui a fait là yo, moi même pas dire c'est vrai, mais c'est pas des bagages capoté parce que les Ariel lui même pour compte il a publié dans le Moniteur et à quoi parle là et les autres et l'autre accord qui bon et si on baguer même temps dans bataille en palais national avec Ariel comme des ayants droit etc ou essayer de pas faire illégalité l'autre pas de constitution bon nous pas de constitution nous pas de parlement bon nous connaît bien et les non situation ça malheureusement il y a des monde bien avant que tu as parlé de transition de rupture et yo bal tout nous couper fâché ou pas moins de côté au passé nous ouais et question ça arrive les maîtres du système, c'est maître, c'est problème maître système non, que soit ici que soit à l'étranger. N'a toujours été dans même dossier ça gagné secrétaire général RDNPA Eric Jean-Baptiste qui compte l'idée intervention militaire comme solution dans question sécurité pays prendre des temps ça yo l'idée RDNPA croit celle la loi qui résoudre phénomène insécurité hein tant qu'au kidnapping non. Eric Jean-Baptiste prévoit retourner à la peine de mort si RDNP est après pouvoir côté yo a travail puis yo mettre ça dans les programmes social pour apaiser la misère grand goût chemin pour décourager Génio rentrer dans la question banditisme. En côté, secrétaire général RDNPA Eric Jean-Baptiste. Nous prenons l'occupation en 1915. Nous prenons l'occupation en 1994. Nous prenons l'occupation en 2004. Là. Nous sommes trois déjà. Nous avons beaucoup de salvoté pour nous. Nous-mêmes dans RDNP, nous avons réfléchi sur la solution qui peut porter à problème pays. Nous disons déjà, Eric Jean-Baptiste, RDNP, au pouvoir, métier bandit, ou mettre, gardez nous, quittez ça. Kidnapping, kidnapping. Ah non! Il faut la loi. Il faut la loi, il faut la sévérité de la loi. Et nous disons déjà, nous-mêmes dans RDNP, nous au pouvoir, zéro tolérance contre le kidnapping. Moi, nous tellement dit zéro tolérance par la loi. Nous-mêmes dans RDNP, nous avons mené un plaidoyer pour nous retourner avec peine de mort. C'est-à-dire que les gens qui ont fait, c'est qu'ils mettent sur la place publique pour nous. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer. Ou combien de fois, je répète que nous ne pouvons pas jouer pendant que nous avons respecté la loi. Cependant. Et maintenant, donc, que la sévérité pour qu'on parle, pas jamais résoudre tout problème. Cultivateur mieux nous avec là qui qu'on travaille la tête très bien. Yo tout connaît lorsqu'il s'est cléonté pour retirer l'âge qu'il a donné, faut pas planter pour le capable bon résultat. Sinon, ou c'est clé et puis ou pas planter. Et bien c'est l'âge qui a toujours poussé. Parce que l'âge a poussé plus facile que bon plante là. C'est ça que fait nous-mêmes dans RDNP, dans quatre programmes que nous gagnons, nous fait de ministère affaires sociales, nous aucun chaîne ministère. Côté que nous prenons retirer toute subvention qui gagne dans chaque ministère. Parce que ça sont source de corruption que lié. Côté que même nègre, parce que dans le ministère sport, lui prend une subvention sur le programme. Là dans le ministère de l'agriculture, lui prend une deuxième subvention sur le même programme. Là dans la justice, lui prend une subvention sur le même programme. Non. Et bien nous-mêmes, dans le programme, nous avons fait une subvention centralisée dans le ministère affaires sociales. Et puis créer travail pour Mounio capable de travailler. On va être belle pour y être quelqu'un là. On y a
le travail, oui. Accompagner pour le travail, pour faire comme, pour être dans le pays. Force syndicale pour sauver Haïti dans une mise en garde de Jouffre Kamba autorité pour résoudre un problème gaz avec insécurité. Sinon, syndicaliste a annoncé un grève avertissement général pour forcer l'État à prendre responsabilité. Syndicaliste a dénoncé autorité et a dit qu'il m'a ressourcé sur Grenègue pour faire peuple à souffrir pour un petit goutte gaz semblé kidnapping n'est qu'à valer terrain. Anderson Desroches, Ténémico Jean-Philippe Massé. Nous-mêmes travaillons qui c'est force stratégique pays. La situation difficile pays d'Haïti trouvé pendant 30 dernières années, ça y est, montre à clair l'État prend engagement pour tout pays, défile phare et décostombre ma peuple là. Nous ne voulons pas être complices, nous ne pouvons pas croiser devant la crise Tchakassa qui a ravagé le pays. Donc, pour complicité l'État, nous fabriquer raté gaz pour décapitaliser la classe qui est pauvre. L'aime considéré un gallon gasoline qui a vendu 200 gouttes dans la pompe, dans le marché noir, il vend 750 $. Insécurité généralisée. Que l'État institutionnalisé, n'a légalisé kidnapping, vol, viol et tout crime sous deux populations. N'a encouragé jeunes garçons et jeunes femmes pour partir quitter le pays ou bien entrer dans la gang. Il y a l'autre façon encore pour conserver le pouvoir. Déportation par pile, par macon, illégale, qui semblait tête coupée à tel esclavage, que mouché Ariel Henry, premier ministre de facto, qui est un gros bruit qui a couru sous deux, côté Mel tapé dans sauce, assassinat président Jovenel Moïse, d'après avoir NDDH là, ou fait gagner 1000 agents pour le deal paré pour recevoir ses compatriotes, pour encourager États-Unis à passer en bas pied tout droit immigrant gagné sous la terre, pour conserver le pouvoir comme tchoul blanc américain. N'accord, désaccord, quoi que monte y'a là, faut ça, mandé pour qu'on sait l'accord qu'a pas qu'on peuple là. Pour toutes les raisons, ça y est. Nous-mêmes, force syndicale pour sauver Haïti, nous invitons toute force vive nation pour te coller dans le mouvement Lever Campé qui commence depuis jeudi à même, qui a plusieurs étapes. Jeudi vendredi 24 septembre 2021, c'est lancement de l'ultimatum par Ariel Henry à la communauté internationale Coupion ou Déjoufra pour résoudre toute sa nécessité là. Freiner le marché noir sous gaz là, résoudre le problème de sécurité là. Et mandons moi à toi aux États-Unis sur question de déportation, papi Pamacon, qui sont des têtes coupées à l'esclavage là. Et voilà, ça c'est déclaration Anderson Desroches. Jean Dédian là, gagne un journaliste Francis Siméon qui joue une libération là, hier soir, dimanche, qui c'est 26 septembre là. D'après tout élément des formations, yo, côté famille proche, li, remercie tout le monde qui yo même était poté support son fond et son lot avec famille après nouvelle. Zaka kidnapping qui était faite sous Francis Siméon. Et n'a pas rappelé que Francis Siméon, c'était jeudi soir que eh bien ravisseur était enlevé et Fonzi Siméon dans les 7 ans soir d'un côté que l'étape sur 3 et 11 000 les mêmes étapes entre la Cali dans une avenue Christophe précisément rue 3 zone beau lycée et Jean-Jacques Dessalines n'a pas rappelé tout que Bandio a demandé $3 million pour américains pour être capable libérer Fonzi Siméon. Bon jusqu'à présent eh bien nous même non pas qu'on est si exactement la négociation qui s'actualise mais ça qui certain et qui est important pour que pour tout le monde connaisse, amis, proches, puis confrères, consoeurs, Francis Siméon, les jeunes libérations hier soir, dimanche là. J'en ai dit en tout, question à Tis Monidji, lui-même, tout après, il passé plusieurs semaines dans mes ravisseurs. Et li joint libération tout hier et dimanche là d'après et tout élément information yo et Monidji lui-même qui était passé plusieurs jours et li était yo était enlevé li dans un Vivi Michel dans date et côté qui était enlevé li hier soir hier pour une dimanche li libéré li Monidji selon information yo ravisse yo libératis là bon côté qui famille tabay selon information tabay une somme de $25,000 hein $25,000 et bon dollar pour dire bien 6 heures. En pile voix, tap exigé dans surtout secteur musical là, ton quartier, tap exigé libération à Tissan Monidji qui bandit et kidnappé. Et finalement, après le passé plusieurs, on dit au moins une dizaine de jours que dans mes ravisseurs, finalement, il y a une libération pour ailleurs. Et dimanche, non, j'en dis à la sortie jeudi pour arriver, on dit dimanche, non, là.
gen plusieurs cas kidnapping qui se passe 10 monde que bandio au kidnappé selon information qui vient chez nous dans salle nouvelle Radio Méga et en pile acteur participant de mandat avec autorité concernée prend responsabilité yo pour question kidnapping non capable freiner en de société et qui retourner en force côté tout secteur là presque touché avec la question kidnapping. On avance avec l'autre information puisque nous t'ai parlé ça la fois dernière question situation danger qui gagne en bas pompio dans question raté gaz qui gagne là bouara qui gagne en bas pompio bien situation ça qui produit là pendant week-end là dans ville capaïtienne rue neuf côté 10 faits éclatés dans en bas pompe et en pile moto boulé et gagne machine espace lui même qui est boulé tout dans information. Oui, j'en nous t'ai retendu le sentite nous t'ai retendu ça gagne yon pompe gaz national qui produit et la cause en pile dégâts matériels yon pompe gaz produit samedi 25 septembre nan pompe ça trouvé le naoui entre 10 à A à 9 à Vélo Cap incident ça la cause plusieurs dizaines moto yon machine ak yon moto 3 roues qui brûlé qui était trouvé en bas pompe ça qui était l'ouvri pour bay gaz selon tout dernier élément information yo et nous pas arrivé confirmer si gen moun qui victime bon moi pas gen moun parce que si te gen moun nous tab getan konnen ça nous on essayer raté gaz là qui gros parce que chaque fois gen yon pompe qui pral bay gaz c'est toujours en bas pompe yo en pile moto en pile bon heureusement pas gen parce que toujours plein moun qui là un moun qui surtout mettre en moto c'est plus passe une dizaine moto plusieurs dizaines moto qui a qui une machine et puis une moto 3 roues qui brûlé dans cadre incident ça qui arrivé dans cap haïtien puis précisément entre 10 A à 9 A en Vélo Cap. N'a pas bien venir avec plus d'états sur ça avec collaborateur nous Guino Duvernay dans rubrique 40 provinciaux. L'autre information dans journal là Jean Delzil dans titio vendredi 24 septembre dans migrant haïtien qui était dans Candel Rio en bas pont Texas là pour rendre dans cette traitement droit à la protection frontalière États-Unis côté migrant local qui cherche à passer devant et officier migrant et a des possibilités tout pour avocat attendre yo malgré ça déportation là pas et 6 mois il y a pas possible d'après autorité là pour côté mais différents aéroports internationaux pays d'haïtiens après recevoir migrants presque chaque jour et qui passaient pendant le week-end passé là. Nous apprenons tout gars pilote qui était cassé tête tourné Mexique pour éviter question expulsion ça. Gagné un président américain Joe Biden qui réagit suite avec la situation ça. Joe Biden qui a annoncé que gain sanction qui prend compte un bien un policier qui n'a pas gardé image sous chevalier qui t'a maltraité et migrants surtout migrants haïtiens yo Joe Biden qui a annoncé en plus les sanctions pour le prendre là d'après ça il est incapable pour qu'elle permette que pour moi la parler là pour que 10 000 migrants haïtiens yo même en pile là alors 10 000 migrants pile là qui c'est haïtien et qui marchait dans la frontière entre États-Unis et Mexique précisément dans la ville del Rio Texas peut-être capable mais vivre vieux et qui s'est rivé entre États-Unis et dans conférence de presse que président américain Joe Biden il est souligné mais image que États-Unis a gardé yo même y a regardé comme chef en dans pays États-Unis et vraiment touché et li fait image ça fait le monde entier garder États-Unis mal et garder policiers mal et li touché en pile côté policiers ça ba mauvais traitement avec même migrants et surtout haïtiens yo dans cas ça Joe Biden qui a annoncé que gain sanction qui pral prend compte un bien tout policier qui yo même tap c'était sous cheval tap maltraité et mes migrants yo surtout migrants haïtiens yo nan Del Rio nan pont en bas pont Texas et Mexique et États-Unis toujours réaction sous dossier ça plusieurs personnalités dans la vie nationale là qui a réagi Marc Denise Claude qui a critiqué autorité américaine qui était décidé expulser migrants haïtiens responsabilité a critiqué comportement président américain Joe Biden qui tend dans situation fin pire avant agi Marie Denise Claude qui qualifie raciste déportation sa croix américain yo a fin payer pour indépendance non côté déclaration là dans micro Romanes samedi c'est la déportation son bagage légal c'est d'expulsion yo expulsé yo en dehors de la loi en dehors des conventions que les américains signaient que nous mêmes tous nous partis donc on croit que tout ça que nous parlons gagner pour nous dire aujourd'hui, c'est que les Américains ont projeté une mauvaise image, montré de pays qui pas respecté la loi, qui pas respecté la convention qu'ils signent, et que même, je peux aller très loin pour dire, c'est une décision raciste. Moi-même, par exemple, depuis que cette histoire a commencé,
m'a vle se jodi an ke Biden vin pale. Biden kite, gade bien pou noue. Il a pris du temps pour regarder pour le réaction. Ici serait été les interventions des autres pays, il n'aurait rien dit. Il l'aurait cautionné, il l'a cautionné. Donc je dis hein, je regrette, m'a vle que li vin dim que li regrette ceci. Regarde bien ce qu'il a dit. L'autre pays yo a pris nous mal. Donc c'est son regard de des autres pays comment y a pour eux. Et c'est ça seulement qui intéresse. C'est pas le sort de nos sœurs et de nos frères que yo avec image ça que n'a gardé qui ramené nous deux siècles de ça dans qui condition était qu'on traitait compatriotes nous. Donc je dis c'est pour vous dire que pas gagné qui nous vaut. Donc et c'est pour ça que fait que yo continue à faire nous payer radies nous que nous t'es une première nation qui prend indépendance nous, nous pas mandé personne, oui, première nation noire qui prend indépendance nous avec zam à la main. Zam à la main, ça fait que encore moi ça fait moi toujours dit que toujours contre monde qui dit contre l'armée, au contre ceci, au contre cela, moi même dit que l'armée, bon bien sûr que l'armée que moi-même moi voulais son l'armée et patriote, on l'armée qui remet pays, l'armée qui défend pays. Gagné un premier ministre Ariel Henry qui lui-même a été prêt la parole dans la 76e Assemblée générale des Nations Unies qui critiquait mauvais traitement migrants ici ont été recevoir sous frontière Mexique-Texas. Chef gouvernement rappelé que convention qui signe pour respecter droits migrants dans tout le monde. Là. Ariel Henry rappelé que la quantité migrants a continué à augmenter tout autant que misère, grand goût dans certains pays dans le monde. Là. Pendant certains autres à bien vivre, premier ministre Ariel Henry a encouragé la communauté internationale à renforcer Mési pour améliorer condition la vie et monde dans un pays qui pauvre. En côté Ariel Henry. Dans le registre humanitaire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a recensé plus de 80 millions de personnes déracinées à l'échelle globale, parmi lesquelles près de 30 millions sont des réfugiés et demandeurs d'asile. Il s'agit là d'une crise humanitaire dont l'ampleur interpelle la conscience humaine. Pour trouver une solution durable au problème migratoire, il faut s'attaquer aux causes profondes des déplacements humains. J'invite la communauté internationale à renforcer de façon urgente les mesures pour améliorer les conditions d'existence dans les pays pourvoyeurs de réfugiés politiques ou économiques. Pour y parvenir, les États parties doivent se réengager en faveur des principes fondamentaux de la Convention de 1951 et retrouver ensemble, dans un esprit de coopération, les voies et moyens les plus appropriés pour veiller à ce que les droits des réfugiés soient respectés et protégés. Ces derniers jours, les images du traitement réservé à plusieurs de mes compatriotes à la frontière entre le Mexique et les États-Unis ont choqué plus d'un. Sans vouloir contester le droit d'un État souverain de contrôler l'accession d'étrangers à son territoire ou de renvoyer dans leur pays d'origine ceux qui y pénètrent illégalement, nous croyons que beaucoup de pays aujourd'hui prospères ont été construits par des vagues successives de migrants et de réfugiés. Ce problème des migrants doit nous rappeler que les êtres humains, les pères et les mères de famille, vont toujours fuir la misère et les conflits et chercher à offrir de meilleures conditions de vie à leur progéniture. Les migrations vont continuer tant qu'il y aura sur notre planète des zones de prospérité, tandis que la majeure partie de la population mondiale vit dans la précarité, parfois extrême, sans perspective d'une vie meilleure. Premier ministre Ariel Henry a profité par les deux accords pour gouvernance APESA qui publié dans le journal Le Moniteur qui pourrait faciliter créer stabilité qui est indispensable pour organiser l'élection dans le pays. Malgré participation, une quantité d'acteurs accord en 11 septembre, mais documents arrêtés ouverts pour joindre plus d'acteurs intégrés des massas d'après Ariel Henry qui renouvelle l'engagement pour une transition courte qui a facilité l'organisation de l'élection côté déclaration. Depuis mon arrivée à la tête du gouvernement, j'ai multiplié des rencontres et des discussions avec tous les secteurs de la vie nationale indistinctement pour créer un climat sociopolitique apaisé, indispensable à l'organisation d'élections générales crédibles, transparentes et inclusives dans les meilleurs délais. À mon sens, il est indispensable de retourner à un fonctionnement normal des institutions en remettant la direction du pays à des élus jouissant de la confiance de la population. Il y a quelques jours, le journal officiel a publié l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire
que j'ai négocié et signé avec des acteurs majeurs de la classe politique, de nombreuses organisations populaires et de la société civile de tendances diverses. Cet accord prévoit la création d'un environnement sécuritaire apte à favoriser une large participation des citoyens et des citoyennes aux prochaines élections. Il met en place un mécanisme qui oblige le gouvernement à être transparent et à rendre compte. Tous les secteurs de la vie nationale auront leur mot à dire dans l'élaboration d'une constitution qui sera adoptée après une consultation populaire. Toujours avec Premier ministre Ariel Henry qui était dossier dialogue à Concounia. Ariel Henry qui fait parler concernant dossier assassinat ses présidents Jovenel Moïse. Premier ministre Ariel Henry a profité confirmer détermination là, pour faire lumière sur dossier assassinat ses présidents Jovenel Moïse. Non. Aucune campagne médiatique, manœuvre politique pas fait back sur dossier ça. Notamment cité chef gouvernement Ariel Henry qui reconnaît enquête là à difficile. Dans ce chef gouvernement mandé yon entraide judiciaire. On écoute Ariel Henry pour plus de détails. Je veux saisir cette opportunité pour vous exprimer ma reconnaissance pour votre soutien constant au peuple haïtien et surtout pour l'engagement renouvelé et solidaire de l'organisation envers mon pays. Je m'en voudrais de ne pas réaffirmer toute l'appréciation du gouvernement de la République d'Haïti pour l'initiative du bureau de la 75e session de l'Assemblée générale d'organiser une cérémonie d'hommage le 14 juillet 2021 à la mémoire de son Excellence le président Jovenel Moïse. Il est décédé tragiquement sous des balles assassines dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Les messages de réconfort et les témoignages de sympathie des gouvernants des États membres de l'organisation ont été appréciés à leur juste valeur par le peuple haïtien. Je veux réaffirmer ici, à cette tribune, ma détermination à tout mettre en œuvre pour trouver les co-auteurs, les complices et les commanditaires de ce crime odieux. Rien, absolument rien, aucune manœuvre politique, aucune campagne médiatique, aucune distraction ne pourra me détourner de cet objectif, rendre justice au président Moïse. C'est une dette envers sa mémoire, envers sa famille et envers le peuple haïtien. L'enquête judiciaire en cours est difficile. Il s'agit d'un crime transnational. Et pour cela, nous sollicitons formellement une entraide judiciaire. C'est une priorité gouvernementale pour la nation tout entière, car ce crime ne doit pas rester impuni et les coupables, tous les coupables, doivent être punis.